de plus en plus de sauteurs à la bascule dans les programmes de cirque. Ce n'est pas moi qui m'en plaindrais. J'ai toujours trouvé que les arabesques aériennes s'inscrivaient merveilleusement bien sous la coupole des chapiteaux. Mais le nom des Faludis est connu depuis très longtemps. Les Faludis ont été une des premières troupes de cette spécialité à se produire bien avant la guerre, en France notamment. Vous apprendre sur le travail des sauteurs à la bascule que vous ne sachiez déjà depuis que nous fréquentons ensemble les cirques du monde. Une spectatrice, un peu rhumatisante, je dois le dire, me demanda un soir, ils ne peuvent pas faire ça toute leur vie. Et non, leurs genoux n'y résisteraient sûrement pas. C'est d'ailleurs une des rares disciplines du cirque où on doit s'arrêter de bonne heure. Mais on peut se reconvertir, on ne quitte pas le cirque aussi facilement. Tenez, puisque nous sommes en Italie, il existe une maison de retraite pour les artistes de cirque près de Florence. Florence, vous vous rendez compte? Une villa fabuleuse. Eh bien, elle est presque vide. Même avec une tâche des plus quelconques, quand on a vécu au cirque, on y reste. Et se trouvera en terza position.